bonjour à tous. Avant de commencer, déjà, je vais te faire juste une petite question. Qui a déjà entendu parler de Forensics de base? Ouais, quand même. Ah, c'est cool. Et de DFF? Ah, il y a déjà moins de monde. Et de DFF aussi, ouais. Okay. Donc, bah, je vais me présenter d'abord. J'ai pas fait de Wamai dans les slides, donc je vais le faire maintenant. Je suis Frédéric Vagnin, je suis développeur core dev sur DFF, et avec Solal aussi qui est parmi nous également. On a créé notre société du coup il y a 3 ans maintenant, donc c'est Arxis. Donc à la base en fait c'est un projet de fin d'études de l'école qu'on n'a pas le droit de citer, qui en gros c'est le projet de fin d'études donc on a commencé en 2007, donc ça fait 5 ans qu'on développe dessus. On a eu un partenariat après avec l'IRCGN, donc l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. On a travaillé avec eux en fait sur les technos flash, les puces NAND en fait qui sont dans les téléphones portables. Donc, à partir d'une extraction physique, on récupérait le dump en fait. Du coup, on ne fait pas l'extraction, on analyse en fait le fichier résultat et puis fallait remapper tout le principe. Voilà. On a aussi remporté du coup un des challenges comme ça qui existe, qui s'appelle donc c'est DFRWS, donc pareil où c'était un dump de téléphone qui était tombé dans l'eau, enfin il y avait tout un scénario, donc c'est Solal qui avait travaillé dessus. Et voilà, et après on a aussi eu le prix des assises de la sécurité à Monaco en 2010, etc. Voilà. Petite présentation. Donc au niveau de l'agenda, je vais revenir sur le Forensics, même si beaucoup ont l'air de savoir déjà ce que c'est. Donc, tout ce qui est historique, définition, quelques procédures rapidement. Les différents logiciels d'analyse, donc open source et puis propriétaire aussi. DFF, présentation générale, un peu les internals, donc on ne va pas non plus faire tout un volet complet, il faudrait des jours de formation pour ça. Et enfin une démo, donc voilà. Forensics, donc qu'est-ce que c'est? Donc déjà c'est un terme latin à la base, donc qui veut dire forum. Donc c'est appartenant à, utilisé ou adapté au cours de justice ou débat public. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une connotation judiciaire derrière. Enfin, le forensics c'est ça. Donc dans une plus large définition, c'est lié à l'utilisation, voilà, d'une science, d'une techno lors d'une investigation et de l'établissement de faits ou de preuves devant une cour de justice. Là, on a une petite timeline qui présente en gros les premiers prémices du forensics. Donc, la toute première, c'est en 1248. Je ne vais pas prononcer le nom, je ne sais pas parler chinois, donc voilà. Mais en gros, c'est le principe, c'est. Comment? C'est une APT. Du coup, le principe, c'était qu'en fait, c'est Solal qui m'a rebriefé juste avant la presse. Qui en gros, c'est en Chine, ils ont tué une personne et puis ils ont analysé en fait ce que ça avait impacté, le fait de le tuer. Donc les premières analyses, dissection et ce genre de choses. Donc après en 1835, on a la partie balistique qui arrive. Donc pareil, comprendre un peu la trajectoire des balles, les empreintes qui vont être laissées sur les douilles pour dire c'est telle arme qui a tiré ou ce genre de choses. En 1901, on arrive sur la partie empreinte digitale. Voilà, classique, qui est utilisé maintenant partout. 1978, donc là on arrive vraiment sur la partie numérique en fait, c'était avec le premier Computer Crime Act, donc, qui date de 1978, et là en fait où le FBI a commencé en gros à se doter de capacités d'analyse, donc on commençait à créer en gros des outils, ce genre de choses en interne. Et puis après, pour continuer, on a l'ADN sur la partie toujours forensics en 1984. Donc, du coup, digital forensics, c'est la partie, voilà, l'utilisation de numérique, enfin des sciences, pour tout ce qui est relatif aux technologies numériques. Donc, pourquoi on utilise le forensics? Espionnage industriel, donc on en entend beaucoup parler en ce moment avec les APT et les fameux rapports qui sortent ces derniers temps. Tout ce qui est exfiltration de données, falsification de documents, malversation, atteinte aux politiques de sécurité, sabotage, harcèlement, il y a plein de données possibles. Malware aussi, donc, je fais une petite parenthèse pour Botnet, Botnet FR aussi avec le côté malware, voilà, c'est fait. Au niveau des objectifs, du coup, donc c'est vraiment de répondre à différentes questions. Donc, qui a perpétré l'acte? Donc, dans la mesure du possible, bien entendu, on n'est pas
on peut pas forcément être capable de remonter jusque la trace de la personne. Après, on peut aussi commettre le méfait d'un autre pays et se faire passer, voilà, pour ce genre de choses. Donc c'est vraiment l'ultime réponse, le qui. Le quoi, pareil, donc comprendre qu'est-ce qui a été exfiltré, enfin, dans le cas d'une exfiltration, ou quel était le motif. Donc comment aussi, le principe, c'est ça aussi, c'est au moins dans la mesure du possible de savoir qu'est-ce qui s'est passé, même sur un incident de sécurité, pour ensuite, en gros, enfin, comprendre l'attaque, par exemple, et voir ce qui a été utilisé, et après, derrière, mettre des protections supplémentaires en conséquence. Le quand, pareil, où et pourquoi. Donc voilà, ça c'est vraiment sur les principaux objectifs. Au niveau des procédures, donc il y a un peu de tout qui existe. La première, elle date de 95. Il y a des papiers qui les recensent toutes, donc on fait des analyses justement. Donc ça peut aller de 4 jusqu'à 21 phases dans certains papiers. Récemment, il y a une ISO qui est sortie, la 27037, qui est plus sur la partie acquisition, collection, préservation, en gros des scellés, des évidences, mais qui ne traite pas de la partie analyse. C'est vraiment sur comment on va faire une acquisition d'une machine et stocker par la suite les scellés si besoin. Donc la version la plus simplifiée et qu'on retrouve assez fréquemment dans la littérature, ça va être la partie donc identification. Donc c'est par exemple on arrive sur une scène, c'est se dire quel périphérique je vais devoir utiliser, enfin quel périphérique dans la pièce vont m'être utiles pour la suite de mon analyse. Une fois qu'on a identifié, donc on récupère le matériel, on fait l'acquisition. Donc pareil, acquisition, je crois que j'en parle un peu après. Ouais. Acquisition, donc on va redétailler vite fait, analyse et à la fin présentation, donc rapport qui explique, qui essaie de répondre du coup aux objectifs qui étaient présentés précédemment. Donc après, bien sûr, au fur et à mesure qu'on va analyser, on peut avoir besoin de récupérer, de réidentifier de nouvelles choses, etc., etc. Donc au niveau de l'acquisition des données, donc l'objectif c'est de faire une copie exacte d'un système en réduisant au maximum les modifications. Dans certains cas, on n'a pas le choix, on est obligé de faire quelques modifications, enfin voilà, tout n'est pas parfait. Mais normalement, le but ultime, c'est vraiment zéro empreinte, quoi. Au niveau des types de données, donc il y a deux types de données principales qu'on va retrouver au niveau forensique. Donc ça va être les données volatiles, qui sont perdues du coup suite à un reboot ou shutdown. Donc ça va être la RAM typiquement. L'avantage de dumper la RAM, c'est qu'on va récupérer pas mal d'informations. On va avoir, donc après, on a une partie nous dans DFF qui utilise Volatility, qui est un framework justement d'analyse de RAM. On va retrouver des processus, les connexions qui ont été effectuées. On va avoir des clés de registre. Enfin, voilà, on peut récupérer aussi pas mal d'informations. On peut récupérer aussi des clés de chiffrement dans certains cas. Donc ça peut être utile de pouvoir passer de ce côté-là. Les données non volatiles, du coup, où là, c'est des données qui ne sont pas perdues, enfin, voilà, qui sont en mémoire morte, donc disque dur classique, flash, clé USB, ce genre de choses. Juste pour info, la petite image, c'est le principe des cold boot attacks. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Où en gros, le principe, c'est qu'on va mettre une bonbonne d'air, on va prendre une bonbonne d'air sec, on va l'appliquer directement sur la RAM, et du coup, ça va permettre de garder un peu plus longtemps l'état électrique qui est présent dans la RAM. Donc, ça nous permet en gros d'éteindre le PC, d'extraire la RAM, ou de démarrer sur des logiciels exprès qui vont permettre dès le démarrage, de dumper en fait la RAM. Donc on a encore accès à certaines données. Donc c'est l'université de Princeton qui a les premiers qui ont présenté ce genre de technique, où sur leur site, il y a tout leur code en open, enfin vous pouvez tester, ça marche bien en fait. Il y a un système de rémanence du coup, où ils présentent des tests comme ça avec une image de la Joconde. Donc par exemple, au bout d'une minute, ils présentent la Joconde, on voit juste quelques petites dégradations au bout de 5 minutes, etc. Et c'est vraiment intéressant. Enfin, on peut récupérer pas mal d'infos aussi par cette technique-là, et c'est aussi récemment, il y a eu Frost, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la même chose, la même technique, mais appliquée en fait sur la partie Android en fait. Donc pareil, pour récupérer la partie volatile, sur tout ce qui est périphérique Android. Donc là on va passer au logiciel d'analyse. Donc j'ai commencé par les propriétaires. Donc,
Les tout premiers, donc c'était Norton Utilities en 1982, qui faisait l'undelete en fait, qui récupérait les informations effacées sur un disque. En 1995, il y a eu X-Ways, Winex, qui était à la base en fait un éditeur hexadécimal un peu plus évolué, qui était pas mal intéressant, et qui maintenant s'est aussi au fur et à mesure déporté sur la partie forensics. En 97, on a Guidance Software avec Encase, donc qui est assez, qui est le leader en gros sur le marché du côté des logiciels propriétaires. Et en 2001, Access Data avec FTK. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la gamme, donc c'est des logiciels propriétaires et payants. Donc la gamme de prix, en gros, ça va de 700 euros pour X-Ways au niveau de la licence, donc c'est annuel. Après, ça peut aller jusqu'à 3 000, 5 000 euros en fonction des packs qu'on prend sur FTK ou Access Data. L'autre problématique en plus, c'est qu'ils fonctionnent uniquement sur Windows, plateforme Microsoft Windows. Et en gros, le principe, c'est que pour gérer la partie licence, on a besoin en fait d'un dongle qu'on va brancher, qui va en gros valider qu'on a bien acheté le produit en fait. Donc c'est assez problématique dans certains cas quand on arrive sur une scène en live sur le terrain, brancher son dongle et ce genre de choses. Enfin, voilà. Juste avant de passer aux présentations logicielles open source, donc un petit intermède de la liberté. Donc pour présenter la partie open source, donc avec Richard Stallman qui est au milieu du coup. Donc, qui a créé en fait la GPL, donc qui repose en gros sur quatre lois, quatre libertés. Donc la première qui est la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. La deuxième qui est la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à vos besoins. La liberté de redistribuer des copies. La liberté de distribuer des copies de vos versions modifiées à d'autres personnes. Donc à la base, il avait créé cette licence, c'est la petite anecdote. Dans le principe, en gros, que dans quelques années, on pourrait nous injecter en fait des programmes directement dans le cerveau, et le but, c'était de pouvoir, si on touchait directement à ce niveau-là, c'était d'avoir au moins accès au code source, de savoir ce qui pouvait tourner après, plus tard. Bon, après, c'est dystopique, c'est science-fiction et tout, mais pourquoi pas, voilà. Donc, là, je vais faire juste un petit rappel sur la partie logiciel propriétaire versus open source. Donc c'est les idées reçues qu'on a en général, en règle générale là-dessus. Donc la première idée reçue, c'est que le code ouvert permet de contourner plus facilement les logiciels. Donc après, par exemple, à Black Hat en 2007, il a été prouvé que ça changeait rien du tout d'avoir accès au code source ou non. Il suffisait d'avoir un fuzzer derrière. Et sur justement Encase, c'est ce qui était arrivé, où en gros on pouvait faire des fautes derrière, injecter des fautes et contourner en gros la restriction de non-accès au code source. Deuxième idée reçue, donc les logiciels propriétaires sont entièrement développés en interne, donc c'est pas vrai. Souvent ils contiennent du code ouvert, donc sous licence LGPL ou BSD. Un des exemples, c'était avec Mathieu Swish qui avait fait à l'époque Win32DD, en gros qui s'était fait pomper tout son code, qui avait été réutilisé derrière pour le dump de RAM dans des logiciels propriétaires. Donc ils se font bien plaisir aussi, ils sont bien contents d'avoir la partie open source. Après, il y a d'autres fonctionnalités qui existent aussi, qui sont développées par d'autres sociétés, qui n'ont rien à voir à la base avec le Forensics. Typiquement sur l'indexation, donc sur FTK, leur moteur, c'est pas eux qui l'ont développé, c'est une société tierce qui s'appelle DTSearch et qui vend justement des logiciels comme ça d'indexation. Pareil sur l'analyse d'image et ce genre de choses. Idée reçue numéro 3, donc tout ce qui est R&D et brevet donne un avantage au logiciel propriétaire. C'est pas forcément vrai. Donc, comme j'ai expliqué déjà, c'est protégé avec des dongles, donc c'est pas bien fou. L'avantage encore, c'est qu'en Europe, c'est qu'on n'a pas de principe de brevet logiciel qui est mis en place. On a encore cette chance-là. L'autre partie, c'est surtout aussi que tout ce qui est R&D, c'est pas forcément développé en interne. Enfin, il y a toute une communauté de chercheurs aussi qui font des papiers, des recherches, ce genre de choses. Typiquement avec les FRWS,
où enfin voilà, ils repompent en gros les idées d'autres qu'on fait vraiment de la recherche, de la R&D. Et après, il n'y a pas forcément de réelles innovations qui sont fournies directement par les éditeurs. Donc, présentation du coup historique au niveau des logiciels open source d'analyse. Donc le tout premier, le plus connu, enfin vraiment l'ancêtre, c'est The Coroner Toolkit, qui a été développé par Dan Farmer et Vitse Venema, il y a une petite erreur. Au niveau des systèmes, donc c'était plus orienté analyse Unix, donc BSD et Linux, et au niveau licence, c'était IBM et dérivés BSD. Donc, ça, c'est le logo qu'ils utilisaient, du coup, ceci n'est pas une pipe. C'est... D'accord. Dans leur livre. Ouais, dans leur livre. Le livre qu'ils faisaient. En 2001, du coup, il y a SlushKit, donc qui parle sûrement à ceux qui pratiquent le forensic. Qui a été développé par Brian Carrier, qui était à l'époque chez IBM, et en gros qui est un peu, on va dire, le dieu côté forensics. Enfin, en gros, il a fait tout un livre qui s'appelle File System Forensics, qui fait 400 pages, et où il explique en gros les structures de données de chaque système de fichiers. Enfin, il va par couche, il commence par tout ce qui est partition, il fait les raids, machin, il explique vraiment, il revient sur toutes ces bases-là. Et du coup, autour, en même temps qu'il a fait son bouquin, il a fait TSK. Qui est la reprise de TSK. Ouais, qui est la reprise de TSK. tu veux dire Donc au niveau des licences, on a dans TSK, donc c'est IBM et dérivé BSD. Donc il est en train aussi de le réécrire actuellement, donc en C++, et en Java. Voilà. Pas possible. 2005, PeakFlag. Donc là, on est sur. On a, alors, oui, SlushKit à la base c'était développé en C. Là, sur PeakFlag, avec le Pi, ça vous donne une petite notion. Donc, c'est développé en Python. Donc, ça a été développé par Michael Cohen. Au niveau des systèmes, là, c'est BSD, Linux, OS X. Enfin, là, ça tombe sur tout. C'est l'avantage aussi. Et licence, tout ce qui est IBM et dérivé BSD. Et en 2007, du coup, DFF, qui est en GPL V2, voilà, qu'on développe depuis 2007. Avec un petit fond d'écran, une petite capture. Donc, du coup, on va rentrer un peu plus. Non, pas encore. du coup, pourquoi le choix de l'open source ? Pourquoi on est parti vraiment sur ce modèle-là, donc, qui n'est pas simple en France. Le modèle économique de l'open source, c'est vraiment. Ça prend du temps, c'est long. Mais après, c'est intéressant aussi. C'est qu'il y a la mise en commun des ressources, on peut échanger, on discute. C'est assez sympa, il y a des contributeurs à droite à gauche, ça nous permet aussi de rencontrer, de discuter, d'échanger avec des gens qu'on n'aurait pas forcément pu aborder comme ça de manière directe. Après, il y a pas mal d'universitaires aussi, d'élèves qui reprennent un peu à droite à gauche le projet pour faire des. Soit des TP, ou alors carrément on a eu l'exemple d'un Allemand justement qui a fait une thèse, qui a fait en gros un module pour DFF autour d'une thèse qu'il avait voulu développer. Donc ça s'appelait Selective Imaging. En gros, c'est quand on arrive au moment de l'acquisition des données sur un disque, plutôt que de dumper l'intégralité, genre quand on a des disques maintenant de 1, 2 Tera, donc ça prend pas mal de temps, c'est vraiment d'analyser en fait en live. À la fois qu'on analyse, on extrait en fait que les données utiles. Donc ça, c'était sa thèse. L'avantage aussi, c'est qu'après, on a des contributeurs. Donc par exemple, au niveau dev, on en a, mais ce n'est pas non plus les plus nombreux, mais ça va être aussi sur tout ce qui est documentation, sur la traduction et ce genre de choses. Enfin voilà, c'est pas nous qui traduisons des FF en chinois, par exemple. On a un contributeur en Chine qui nous fait la trad et voilà. Et aussi, donc, qui répond au principe de Dober, qui est en fait, qui a quatre lois en gros, c'est d'avoir accès au code, de connaître les taux d'erreur possibles, etc. Enfin, que ce soit testé de manière empirique, qu'il y ait une sorte de peer review, etc. etc. Donc, qui n'est pas forcément possible en plus avec tout ce qui est logiciel propriétaire. Alors, du coup, DFF, donc nous, au niveau des procédures, comme je vous ai montré tout à l'heure, identification, acquisition, analyse, présentation, on est vraiment positionné sur la partie analyse et présentation.
Tout ce qui est acquisition, bah, c'est, y a déjà plein d'outils qui existent pour le faire. Donc le plus connu, enfin le plus vieux, ça va être DD sous Unix. Après, il y a eu des améliorations avec DD Rescue, DC FLDD, enfin voilà, c'est d'autres outils un peu plus complémentaires qui ont des options un peu plus avancées. Nous, donc voilà, on se positionne vraiment sur la partie analyse, reconstruction et reconstruction, partition, système de fichiers, etc. Au niveau des technos qu'on utilise, donc c'est framework qui est orienté objet. Donc on utilise à la fois Python et C++. Donc grosso modo, la répartition c'est du 50-50. On est à 80 000 goûts. Ça. C'est pas le. Enfin, il y a plein de. Ouais, sinon, c'est ça. Dans ce jeu-là. Donc Python et C++, donc pourquoi on a choisi ça? Donc bah, Python pour le côté scriptable, pour enfin voilà, ça reste simple, ça reste abordable en plus, comme on l'a montré tout à l'heure, maths, enfin c'est pas compliqué en soi, c'est vraiment abordable. Et le côté C++ qui était plus orienté pour les performances en fait, pour certains types de modules qui permettent d'accélérer les traitements. Donc entre les deux, du coup, on utilise Swig, qui est en fait un générateur de binding, en gros qui va faire le binding entre du code C ou C++ et du Python, du Perl, enfin tout ce que vous voulez derrière, et qui est un langage à part entière aussi, on peut faire pas mal de choses. Donc, bon après on a choisi ces deux technos là, mais c'est aussi un peu grossier, mais c'est un peu merdier, enfin c'est pas simple à gérer, on va dire. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont pas forcément très simples, mais bon, on était là-dessus. Au niveau interface graphique, on est sur Pqt, donc en gros la version Python de Qt. Et pour tout ce qui est chaîne de compile, on n'a pas utilisé les classiques autotools, ces genres de choses, qui peuvent être très bien, mais qui étaient à l'époque, nous on a commencé à utiliser une usine à gaz, donc on a vite laissé en fait de côté. Et on est passé à CMake, qui est vraiment pratique et simple en plus. Donc, voilà, c'est pas une usine à gaz. Au niveau de l'architecture, donc on a grosso modo trois briques principales, trois niveaux. Donc on va avoir tout ce qui est l'API, vraiment le core de DFF avec. Des bibliothèques à la fois en Python et en C++. Au-dessus, on va avoir tout ce qui est module, donc avec les drivers, donc ce qu'on appelle driver dans DFF, c'est les modules en gros qui sont en charge, qui vont générer des nœuds, qui vont en gros générer les fichiers, etc., sur lesquels on va pouvoir travailler. On a des fichiers d'analyse, après, enfin des modules d'analyse, des modules graphiques qui vont fournir des widgets, et ce genre de choses. Et au-dessus, du coup, on va avoir l'interface graphique et l'interface en ligne de commande. Fonctionnalité, je n'ai pas tout listé, j'en ai mis quelques-unes. La priorité déjà, ça va être chargement de périphériques. Donc là, pour ça, il faudra les droits admin, enfin les privilèges pour avoir accès du coup aux périphériques en question. Les conteneurs aussi classiques, donc les formats bruts, donc une image classique avec DD par exemple qui va faire une copie bit à bit d'un disque, donc ça on peut la prendre en entrée. Après il y a d'autres types de conteneurs, des conteneurs orientés forensiques genre EWF, enfin Expert Witness, où là on va avoir en gros la possibilité de rajouter des métadonnées au sein de notre dump, de rajouter un hash typiquement. L'heure à laquelle le dump a été effectué, la personne qui a effectué le dump, on va aussi avoir une gestion de la compression ou chiffrement, ce genre de choses, et l'alternative open source qui s'appelle AFF, où on retrouve les mêmes fonctionnalités mais en open. Donc après, au niveau de tout ce qui est reconstruction, donc on va avoir la partie les partitions, donc les partitions DOS principalement. On n'a pas la partie BSD parce que on a aussi, au fur et à mesure qu'on a développé, on a essayé de gérer au maximum les priorités et de se dire, BSD, ok, c'est bien, mais au niveau utilisateur derrière, finaux, c'est pas courant, quoi. Donc ça pourrait être une idée de module, s'il y en a qui veulent contribuer, de faire tout ce qui est slice derrière sur BSD. Système de fichiers, donc là, même principe, on a aussi sélectionné un peu.
Donc on a tout ce qui est FAT, donc 12, 16, 32, EXT, 2, 3, 4, et NTFS. Donc il manque HFS, avec maintenant du coup Apple qui est quand même pas mal monté en puissance, donc c'est dans la to-do list on va dire. On a aussi une partie machine virtuelle, donc pour remonter automatiquement les VMDK, donc qui sont en gros les conteneurs pour tout ce qui est VMware, donc c'est géré aussi par VirtualBox. Donc ça évite en gros de faire un VMDK tout raw, enfin d'utiliser les outils que VMware peut fournir pour en gros récupérer un dump classique. Ça évite une phase intermédiaire, on va dire. Au niveau des artefacts, on est surtout orienté Windows. Après, les prochaines étapes, c'est plus d'aller aussi sur le côté Linux. Donc on va avoir tout ce qui est registre, LNK, tout ce qui est doc, PPT, genre de choses. Les préfets, les EVT, EVTX, enfin, toutes les informations en gros qu'on peut récupérer et qui peuvent être utiles derrière pendant une analyse. On va aussi avoir tout ce qui est extraction des métadonnées des fichiers. Donc par exemple, dans un point doc, vous allez avoir l'auteur, la dernière date d'édition, enfin, ce genre de choses. Dans les JPEG aussi, par exemple, enfin, vous avez tout ce qui est EXIF, le format EXIF. Vous allez avoir pareil le. Quand est-ce que la photo a été prise, quand c'est un appareil photo, vous avez les métadonnées GPS, donc vous pouvez aussi en gros situer la personne où elle était. Bon. Après on peut les contourner bien entendu, enfin, on peut toujours modifier les données pour leur faire dire ce qu'on veut, mais bon, voilà, on extrait toutes ces parties-là. Après on a tout ce qui est filtrage et recherche, parce que c'est bien d'extraire tout ça, mais l'objectif final c'est vraiment de réduire les possibilités, de vraiment trouver ce qui nous intéresse. Donc on a tout un moteur de recherche qui est directement intégré, donc à la fois sur tous les attributs qu'on va récupérer et sur le contenu, dans le contenu vraiment, donc les fichiers, enfin du texte, etc. Donc toujours fonctionnalité, la scriptabilité, donc avec Python, on a aussi gestion des batchs, on peut donner en gros des commandes par défaut qui vont être lancées automatiquement, qui vont être, on peut mixer en fait à la fois le comment dire, de toute façon on verra dans la démo, mais à la fois des commandes, enfin l'appel de module, et à la fois scripté en Python, donc on peut mélanger les deux. Donc après aussi au niveau de l'architecture, donc je ne vais pas préciser, mais c'est multithreadé, on est modulaire et c'est multiplateforme. Donc à la fois, à la base on est vraiment tous sous Linux, mais ça fonctionne. On fournit les exés, les installeurs sous Windows, il n'y a pas de problème. Alors. Un peu d'internals. Donc ça typiquement c'est un des schémas que le thésard allemand avait mis dans sa thèse. Donc voilà, c'est un genre de choses qu'on récupère après, enfin il nous a autorisé, il n'y a pas de problème. Du coup donc c'est pour expliquer le principe de système de fichiers virtuels qui est en stackable. Donc ça veut dire qu'en gros on va pouvoir appliquer au fur et à mesure des couches. Donc là vous avez en gros votre disque dur. On va l'ouvrir avec un premier connecteur, donc qui va faire la jonction en gros entre les fichiers qui sont sur votre système de fichiers local et DFF. Donc à partir de ce fichier-là, on va pouvoir réappliquer un autre module. Donc par exemple le module de partition qui va régénérer en gros une nouvelle donnée sur lequel à nouveau on va réappliquer par exemple FAT, NTFS, ce genre de choses. Et en gros au fur et à mesure, on va recréer comme ça toute une arborescence. Sans jamais avoir en fait à extraire ce qui a été utilisé. Donc c'est le principe de stackable vraiment empilable, où on va mettre les couches comme ça tout le temps sans se soucier de faire l'extraction. Du coup au niveau du contenu donc, de tout ce qui est le système de fichiers virtuels, donc dans DFF donc, tout est node, donc on est vraiment dans ce principe là. Donc on verra un peu les capacités qu'on peut avoir derrière. Donc c'est tout ça sont des classes, donc des objets derrière sur lesquels on va pouvoir travailler. On a aussi travaillé sur tout ce qui est abstraction des entrées-sorties sur les fichiers qu'on va récupérer. Donc on est resté sur la norme POSIX avec Open, Read, Seek, etc. On a aussi le mapping, un système de mapping qu'on a simplifié. Parce qu'au tout début, en fait, on développait DFF, on recodait tout chacun de notre côté, en gros, la gestion de lecture, de déplacement et tout ça sur chaque système de fichiers. Et genre, pour lire
de 512, ensuite de 3, etc. Donc il fallait faire la go à chaque fois. Et donc ça, on l'a vraiment simplifié après dans le, au niveau de l'API pour en gros dire juste moi je suis, je gère tel bloc, je suis à tel endroit normalement. Et après, on a toute une partie qui fait cette abstraction-là qui va nous permettre de gérer en gros le chevauchement sur deux secteurs ou ce genre de choses. Donc ça nous a aussi permis de prendre en compte le sparse, en gros, qui permet de dire, par exemple, sur toute cette zone-là, j'ai que du zéro. Donc ça sert à rien de créer un buffer, enfin de garder toutes des données en RAM pour dire en gros que sur 1 giga j'ai que du zéro en fait. Donc c'est pratique aussi. Donc c'est pas mal utilisé par exemple dans NTFS, dans X aussi. Et à la base, enfin nous on a la première fois on a réellement eu besoin, c'était sur tout ce qui est VMware en fait. Donc, voilà. Après, on a tout un système du coup de callback où en gros les modules font leur travail. Une fois qu'ils ont terminé, en fait, il y a un callback qui est fait pour notifier en gros le VFS et rajouter l'arborescence au fur et à mesure, avec des ID, etc. Donc ça, voilà, c'était un exemple du coup des mappings, où en gros, on dit juste petit à petit, au fur et à mesure, on push les blocs qui nous intéressent, etc. etc. C'est vraiment pour l'exemple. Alors après, au niveau de pareil dans DFF, on a essayé de fournir une abstraction au niveau de la représentation des données, donc avec les variantes, ce qu'on appelle dans DFF du coup. Donc c'est utilisé un peu partout, donc par exemple pour les paramètres des modules, pour les attributs qu'on va pouvoir ressortir au niveau des différents modules. Donc au niveau de ce qu'on supporte, on va avoir tout ce qui est entier, chaîne de caractères, timestamp, pointeur, etc. Des listes, des maps, et après on a aussi la partie reference count parce qu'en fait on les génère à chaque fois dynamiquement. Quand on va cliquer sur un nœud, en fait, on va demander directement au module en question donne-moi tous tes attributs. Donc après, on peut appliquer sur un même nœud, donc sur une node, on peut appliquer par exemple 4 modules qui chacun en fait vont enrichir au fur et à mesure toute cette base-là, et sur lesquels on va pouvoir travailler sur tout ce qui est partie recherche et ce genre de choses. Donc au niveau recherche, donc on a dans le contenu, donc pareil, c'est toujours des classes, des objets qu'on fournit. Chaîne de caractères, donc dans le contenu, donc sur les noms de fichiers. Au niveau des syntaxes qu'on gère, on va avoir des chaînes de caractères fixes, on va avoir les wildcards, donc étoile, point, jpg par exemple, les expressions régulières et le fuzzy sur ce qui est... Donc fuzzy, c'est pour le match approximatif. En gros, au lieu de taper... Si la personne a tapé passwd au lieu de taper password, ça va quand même matcher en fait. Donc ça permet d'être un peu plus subtil sur les recherches qu'on va pouvoir faire. Gestion de la casse aussi, et voilà, etc. Donc ça c'est pour la partie recherche vraiment sur chaîne de caractères. Et on a une partie filtre du coup qui là va être sur qui va rechercher vraiment sur tout ce qu'on peut régénérer dans le framework au fur et à mesure qu'on travaille avec. Donc à la fois sur le contenu, sur les attributs. Donc on a développé toute une syntaxe exprès justement pour rechercher. Donc on va avoir les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques. On peut passer des listes. Enfin voilà, ça reste assez simple. Et côté graphique, du coup, on a fait en sorte que ce soit assez simple à utiliser. Mais vous avez toujours en gros la syntaxe qui est présentée pour l'apprendre au fur et à mesure. Ensuite, là, pareil, au niveau ordonnancement, création de processus, de modules, etc. On fournit aussi au niveau de l'API les différentes infos qu'il faut pour faire du post-processing aussi, par exemple. Donc, quand un type est automatiquement détecté, appliquer le module qui lui correspond, ce genre de choses. Et après, pareil, sur l'extraction, donc récursif. Donc après, il y a tout ce qui est réencodage aussi des caractères invalides. Par exemple, sur Windows, il y a des caractères qu'on ne peut pas utiliser sur le système de fichiers sur NTFS et qui sont valables par exemple sur Lext. Donc, faut prendre en compte ce genre de problématique. Qu'est-ce qu'il y a? Les doublons aussi. Vu qu'on récupère tout ce qui est information supprimée, on peut avoir au même niveau plusieurs fois le même fichier, en fait, enfin le même nom de fichier. Donc, ça, c'est pareil, il faut pouvoir le gérer directement au niveau de l'extraction. Donc, on arrive à la démo.
si tout se passe bien. Il y en a qui l'ont déjà utilisé. Donc voilà, donc ça c'est quand on le lance par défaut en mode graphique. Donc, la ligne de commande c'était DFF-G pour le switch. Enfin voilà. Donc on a différentes vues. En haut on va avoir les menus habituels, file, edit, préférences. On va avoir la liste de tous nos modules. Des petits plus sur les vues pour mettre en full screen, maximiser, ou genre de choses. On a aussi un IDE qui est intégré, mais qui n'est pas forcément très utilisé au final. Enfin, il faudrait qu'on l'améliore avec genre tout ce qui est autocomplétion sur tout notre jeu d'API. Enfin, voilà. Ensuite, on va avoir les différentes vues. Donc, on va retrouver un peu dans le principe d'explorateur Windows. Donc, sur la gauche, on va avoir en fait l'arborescence. Et sur la vue du milieu, on va avoir en gros le contenu en question de l'arborescence. Et sur la droite, on va retrouver en gros tous nos attributs qu'on va pouvoir régénérer au fur et à mesure. Ensuite, en bas à gauche, vous avez, enfin tout en bas, pareil, vous avez des tabs, donc avec le Task Manager, donc ça va être pour chaque module qu'on va appliquer, ça va être une tâche, donc voilà, principe de Task Manager. Les entrées-sorties, donc classiques, les erreurs, donc là pareil, après les modules, toute la DB qui vont, enfin tout ce qu'on a appliqué au fur et à mesure, et le... Et la preview, donc en gros, quand le fichier est détecté, enfin quand on a un module de visualisation qui est applicable, qui fonctionne, on va le retrouver directement dans la preview. En fait. Donc l'objectif premier, ça va être au niveau de la démo. Ça va être de rajouter en fait un dump, donc le principe de conteneur. Donc il y a différents types, comme je vous disais, on peut rajouter du RAW, donc la copie vraiment bit à bit, copie parfaite, donc d'un disque. Si le disque fait 1 Tera, votre fichier résultat fera 1 Tera en fait. Le principe de WF qui est là en partie, en gros, qui a la compression en plus, etc. Et le partie open source AFF. Donc vous pouvez rajouter aussi bien des fichiers que des répertoires. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez derrière. Donc, au niveau d'un exemple, on va partir donc sur CFRED, qui est en fait un dump, qui est une sorte de challenge qui est proposé par le NIST, qui est une instance américaine en gros qui fait des standards et tout ça, genre sur les compétitions SHA-3 qui a eu récemment. C'est le NIST en fait qui était derrière et qui gère en fait tout ça. Donc, ils mettent à disposition un dump qui s'appelle Hacking Case. En gros, avec une série de questions auxquelles il faut répondre pour retrouver en gros différentes informations dans le dump, etc. Donc l'avantage c'est que c'est un Windows et ils fournissent tout, donc c'est cool parce que normalement on n'est pas censé distribuer les DLL, les exe, machin. Donc là on peut travailler dessus, c'est le NIST qui fournit, donc c'est bon, on est sous couvert, il n'y a pas de problème. Donc on l'ajoute. Du coup le fichier en question se retrouve par défaut dans l'interface graphique, donc dans Logical Files. Donc là vous voyez déjà on a des attributs qui apparaissent, donc c'est en gros le connecteur local qui a rajouté ces attributs. Donc ça c'est les timestamps relatifs à mon système de fichiers, donc avec les différentes informations temporelles. Et voilà, et après la grosse partie sur laquelle nous on travaille aussi, ça va être le type qui est automatiquement détecté. Donc là, on peut voir qu'on a un qui détecte un X86 boot sector. Donc pour ça, en fait, c'est parce qu'on utilise la Live Magic. Donc, je ne sais pas si qui est assez connue. Donc par exemple, sous Linux, quand vous faites file sur un fichier, ça va en fait passer par la Live Magic, qui est un système en gros de description de format de données, de structure de données. Donc des fois avec le principe de header et de footer, donc qui est par exemple utilisé pour le carving, on verra tout à l'heure. Mais en plus poussé aussi, qui va pouvoir récupérer, on décrit en gros le format de fichier, c'est un peu cryptique, le fichier en tant que tel, les points MG, les,
les Magic en question, mais voilà, c'est assez puissant. Donc là, en gros, il nous détecte ça. On voit aussi, du coup, que là-haut, on a la partie Relevant Modules, donc qui nous dit ce module peut être appliqué sur le fichier en question. Donc on a différentes manières de le faire. Soit on fait directement Open ici avec Partition. On peut aussi faire un double clic, tout simple. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire. Voilà, donc là, on a accès, du coup, aux différentes partitions. Donc ça se populate à gauche aussi. Donc on les récupère, on a la partie donc tout ce qui est espace non alloué, donc sur laquelle après on peut récupérer, on peut retrouver des données. Donc là en l'occurrence tout est vide. Mais pour donner un petit temps de vidéo au niveau de comment ça fonctionne. Voilà. Donc là on était vraiment au niveau device on va dire. Donc quand j'ai rajouté le dump, ça correspondait en gros à cette partie-là. Là, je suis au niveau de la partition, donc tout ce qui est table de partition, la première partition qui va contenir notre système de fichiers, un espace non alloué, etc. etc. Et au-dessus, on va avoir après le système de fichiers et enfin les fichiers en question qui sont propres après à chaque système derrière. J'ai mis derrière, si vous voulez, la partie plus forensique sur tout ce qui est partition. Et sur la partie système de fichiers, si ça vous intéresse, vous pourrez creuser. Donc les slides seront à disposition. Donc on revient là-dessus. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, ça va être de remonter du coup la partition 1. Donc toujours le même principe, on double-clique. Voilà. Donc là, on peut aller voir après dans la partie Task Manager, on voit aussi la progression des modules qui ont été appliqués. Donc là, en l'occurrence, c'était NDFS qui a fini. Donc à nouveau, donc là, voilà, à nouveau, on va avoir les. Le contenu, donc la partie, tous les espaces non alloués au niveau du système de fichiers. Donc on va pouvoir récupérer les infos. Donc pareil, donc en gros ces parties-là en fait vont être réutilisées derrière par du carving pour récupérer en gros des informations qui étaient possiblement allouées, qui étaient précédemment allouées, qui peuvent contenir voilà, des informations intéressantes derrière. Après, on va retrouver donc, le système de fichiers classique. C'est comme si on était sous Windows, du coup. Donc avec les différents répertoires. Donc là, on voit que on est sur du XP derrière. Donc enfin, voilà, on peut naviguer comme ça directement. Après, les petits trucs classiques, enfin, voilà, on peut zoomer. C'est plus côté ergonomie. Voilà, ce genre de choses. On peut mettre aussi pareil en détaillé. Donc c'est plus intéressant quand on est sur des images. Pour passer rapidement en gros et trouver des informations. Donc là je vais repasser comme ça. Okay. Donc, toujours sur le principe des attributs, voilà, sur la droite, là on peut voir du coup qu'NTFS, il nous récupère beaucoup plus d'informations. Je n'ai pas une très très bonne raison, donc c'est pas très pratique du coup. Mais voilà, enfin vous allez avoir en fait toutes les informations NTFS, donc au niveau du système de fichiers vraiment pur et dur. Par exemple, avec tout ce qui est information temporelle, donc la date de création, d'accès, quand est-ce que ça a été modifié au niveau de la MFT. Donc ce qu'il faut savoir, par exemple, sur NTFS, c'est qu'il y a 8 timestamps différents. Il y en a dans le $filename, qui est ici, justement, et une autre structure qui est le $standardInformation. Donc toutes ces données-là, en fait, quand on peut, en fonction de si on fait une copie, par exemple, d'un fichier qui était sur un système de fichiers NTFS vers un autre système de fichiers NTFS, si on fait un glisser-déposer, bah, y a certaines infos qui vont être mises à jour, mais pas d'autres. Si on fait un couper-coller, pareil, ça va être d'autres champs qui vont être modifiés et pas d'autres. Et à partir de là, on peut en gros en sortir des patterns et se dire bah, le fichier a été copié, le fichier a été coupé-collé ou ce genre de choses. Donc, c'est plus, enfin, voilà. Donc voilà, on a vraiment toutes ces infos qui vont être après, par la suite, réutilisées par le moteur de recherche. Au niveau de l'interface, voilà. Le principe de preview, comme je vous disais tout à l'heure, donc, quand on navigue, on a les différents fichiers. Là, par exemple, on a du texte. Donc on va avoir accès après aux différents types d'encodage, les ISO, enfin voilà. Au niveau de la vue, après on peut customiser aussi là sur les. Vous voyez, on a les colonnes, donc on peut en rajouter directement à chaud. Donc on a une petite icône ici. Tac.
on sélectionne. On dit en gros si on veut récupérer tous les attributs pour la liste qu'on a visuellement ici, là, à ce niveau-là, sur les fichiers qu'on a sélectionnés, etc. Donc là, on les prend, on fait Next. Après, récupère en gros toutes les informations, tous les types d'attributs possibles dans la vue qu'on avait en cours. Donc là, on voit qu'on en a pas mal. Donc on peut après sélectionner l'extension, si c'est un fichier supprimé, par exemple. Donc après, dans tout ce qui est les entiers, pareil, donc propre à une NTFS, quand on va aller un peu plus en détail, donc les différents offsets, ce genre de choses. Pareil sur par type, booléen. Donc tout ça, c'est le principe des variantes qu'on retrouve en fait ici directement. Donc là, on peut avoir ça, on peut avoir par magique, et puis tout ce qui est information temporelle. Tac. Voilà, et là automatiquement, c'est pas pratique. D'habitude, on est sur des écrans un peu plus grands, donc c'est un peu plus pratique. Et voilà, après, vous allez du coup avoir directement vos. Pareil, bah, vous pouvez faire le tri par colonne. Donc, vous allez avoir tout ça, donc, si c'est supprimé. Tout ce qui est information temporelle, pareil, on va pouvoir trier. Donc ça, c'est plus pour customiser la partie du central. Une autre fonctionnalité qu'on a rajouté aussi, c'est la possibilité de tout lister, de mettre tout notre système de fichiers à plat. Donc là, ici, quand vous avez la petite flèche, vous la sélectionnez. Voilà, là, j'ai toute l'intégralité, en gros, de mon système de fichiers. Je peux naviguer directement en fait. Donc je peux avoir en gros tout le contenu de mon système de fichiers directement visé. Alors, quand c'est rouge comme ça, ça veut dire que c'est supprimé en fait, c'est des fichiers supprimés. Donc on est là. L'objectif, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, c'était de réduire en fait le champ des possibles. Donc pour ça, en fait, on a la possibilité de faire des recherches, donc en sélectionnant ici. Donc on a différents modes. Donc quand on est en mode quick search, on va pouvoir là ici dans ce champ-là. En gros, rechercher sur les noms des fichiers. Donc, par exemple, si je mets étoile.doc, je fais le start. Voilà, il va me lister en gros tous les fichiers qui ont en gros l'extension .doc. Donc, on va les avoir ici. Donc, au niveau de ce qui est géré, donc ce qui est regeps, fuzzy, donc approximatif, chaîne de caractères fixe. Et après, on peut faire ses propres queries directement pareil ici. Donc, ça, c'est quand on connaît la syntaxe, du coup, on peut directement passer par là. Après, on a la partie aussi prédéfinie, comme ça, où on est sur les types. Donc là, par exemple, on est sur les images. On va avoir l'audio, la vidéo, les documents, etc. Donc, on peut sélectionner. Donc là, je vais mettre comme ça. Donc là, la première passe, en fait, elle va prendre du temps. Parce que du coup, il va passer, le logiciel, en gros, va passer sur tous les fichiers et récupérer, en fait, on va garder une base du type de chaque fichier, en fait. Donc là, la première fois, il va calculer par le biais de la ligne magique quel type de fichier c'est. Donc ça met un peu de temps, mais après, on a l'affichage quand même qui est fait en dynamique au fur et à mesure. Donc ça prend un peu de temps. Après, sur des grosses machines, ça reste assez rapide, mais bien, ça met un peu. Donc, en attendant que ça se termine, vous avez la partie aussi avancée. Donc là, en fait, vous allez pouvoir faire des filtres un peu plus poussés. Donc en gros, vous nommez photo, voilà. Vous pouvez mettre les champs, donc ce que vous voulez dedans, la syntaxe qui lui correspond. Et en fait, vous allez pouvoir après rajouter au fur et à mesure d'autres champs. Donc, par exemple, si on veut filtrer avec la taille. Donc automatiquement, pareil, on va avoir les opérateurs intéressants qui vont être mis en avant. Donc on peut mettre du coup tout ce qui est opération logique, donc non et, or, or not, enfin voilà, les tailles, etc. On peut choisir qu'est-ce qu'on a, la date, donc c'est pareil, on peut choisir en gros si filtrer de tel intervalle à tel intervalle. Qu'est-ce qu'on a d'autre, le type MIME, donc là où on a un peu plus, on a plus d'informations que ce qui est proposé ici par défaut. Donc là où c'est des menus déroulants, et on va pouvoir sélectionner soit une catégorie complète, soit ce qui nous intéresse uniquement, enfin voilà. Donc ça pour tout type de catégorie, donc il va rechercher au fur et à mesure. Donc on peut faire ces filtres comme ça au fur et à mesure avec des conditions plus ou moins poussées, évoluées. Donc là il a fini. Donc, par exemple là je vais vous montrer, si je le relance, c'est normal. Donc, si je le relance, vous allez voir, c'est quasi instantané en fait. Voilà, donc là en fait la DB a été populate, donc après on peut travailler, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est pour la partie recherche, donc on a ça. On a la partie aussi filtre.
qui est en gros sur une vue en cours, on veut réduire, plutôt que de rechercher dans tout le contenu, là c'est dans notre vue, on veut réduire les possibilités. Donc on a un peu parti sur ce que propose par exemple Wireshark, où au fur et à mesure qu'on tape sa query, en fait ça va, tant que la query n'est pas bonne, ça va être en rouge, et si elle est bonne, ça va passer à vert. Donc là si on met étoile.doc par exemple, voilà. Donc là il me récupère toujours le même principe, tous mes documents. Voilà. Donc là, je suis sur l'extension. Après, ça peut être pareil sur le contenu, etc. etc. Donc ça, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails de la syntaxe. On peut rechercher, donc, comme je vous disais, sur tous les attributs. Ce qui est intéressant aussi, donc là, je vais mettre, juste pour montrer les capacités, les mailbox. On peut, donc, du coup, pareil, on utilise une lib qui s'appelle PFF. Qui est développé par Joachim Mess, qui bosse chez Google et qui fait pas mal de libres, du coup, comme ça, open source, et qui permet en gros de gérer tout ce qui est format PST, OAV, et genre de choses. Donc là, quand on l'applique, on va avoir, donc, on peut retourner, donc toujours, on a les informations qui sont mises à jour ici. Donc là, voilà, on va pouvoir en fait se balader au fur et à mesure dans la mailbox. Donc ça, c'est la boîte mail en question, c'est les fichiers qui sont sur net qu'on peut récupérer. C'est le case Enron, qui était une boîte en fait qui a coulé, et toutes leurs boîtes mail ont été mises sur le net. Donc on peut récupérer l'intégralité de leur mail en fait. Et c'est intéressant pour tester forcément et faire des tests à ce niveau-là. Donc voilà, on va avoir en fait toutes les informations. Donc là, c'est genre... Donc voilà, on va avoir en fait tous les mails par exemple qui ont été envoyés. Donc après, on récupère tout ce qui est attaché, donc attachment. Donc on va pouvoir dans les différentes informations. Voilà, donc là on va les avoir. Vous avez toutes les informations en fait que la lib récupère. Donc pareil, toujours le même principe. Toutes les informations naturelles, donc on peut. Récupérer, donc là voilà, on a toutes les infos, et faire ces filtres au fur et à mesure. Donc là, l'intérêt, après, on peut appliquer aussi d'autres modules. Donc, sur les items envoyés, on peut faire aussi des timelines. Voilà, là, alors, je ne sais pas ce qui est forcément le meilleur exemple, mais en gros, qui permet de faire là-dessus, tac. On peut zoomer en fait, et ça va récupérer en gros. Toutes les informations temporelles, toujours le principe des variantes avec les timestamps. Donc on va récupérer en gros toutes les informations temporelles de chaque module, on va pouvoir les traiter directement et travailler dessus. Bon, c'est pas le cas le plus parfait. Voilà, vous pouvez après display. Ouais, voilà, vous avez tous les champs en fait, vous les retrouvez ici. Message header, client time, creation time, message header, creation time, delivery time, etc. etc. Vous pouvez filtrer après, vous faire votre timeline, de réduire en gros ce qui vous intéresse, au laps de temps qui vous intéresse. Une fois que vous avez ce qu'il vous faut, vous pouvez faire un export qui va se retrouver en fait directement ici dans les bookmarks. Et là, vous avez votre timeline avec tous les items en gros, avec la période en question et par type du coup de message, enfin d'information temporelle. Donc après, une fois qu'on a les infos qui nous intéressent, on peut aussi taguer. Donc c'est la partie aussi intéressante quand on fait l'analyse. En gros, on va pouvoir sélectionner au fur et à mesure qu'on travaille, on va pouvoir sélectionner en fait les informations et taguer et dire ça c'est bon, c'est connu, il n'y a pas de problème. Et après à nouveau refiltrer de cette manière. Donc on les retrouve un peu partout. Donc vous pouvez appliquer après différents types de tags. Donc là, elle est un peu flashy, la couleur. Vous pouvez créer vos propres tags, genre image, photo, enfin tout ce que vous voulez, etc. Et ça, vous utilisez du coup pour générer vos rapports derrière et extraire ce qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on va... Donc, au niveau des modules, je ne vais pas tous les faire non plus, mais voilà, vous pouvez creuser, on a la partie VMware, les statistiques, faire un pie chart,
où il y a le carver aussi, pour juste vous montrer en gros le principe du carving, où en gros vous sélectionnez le principe d'en-tête, le footer, enfin de header et de footer, donc qui sont propres à chaque fichier. Ça vous sert à montrer réellement. Genre quand vous êtes sur une JPEG, voilà, quand vous êtes dans la preview et que vous passez en exa, voilà, vous voyez qu'en fait vous avez un tag. Voilà, vous avez un tag. Donc moi c'est à cause de ma résolution, ça décale, c'est dommage. En fait, chaque, là par exemple, une JPEG, elle commence toujours par FFD8FF, c'est un marqueur. Et si on va tout à la fin du fichier, vous allez avoir FFD9. Donc ça, c'est, ça permet en gros d'identifier une image JPEG. Donc après, le problème, c'est que ça ramène pas mal de faux positifs sur un gros dump, forcément, mais ça permet de retrier, de retrouver des informations quand même au fur et à mesure. Donc ça, oui, voilà, je ne l'ai pas présenté, c'est vrai. C'est le Viewer Exa, du coup, où on va pouvoir travailler plus sur la partie hexadécimale. Donc on va pouvoir faire des recherches avec les patterns qui vont matcher, etc. Et la partie plus intéressante, donc là c'est pas le meilleur cas pour le présenter, sur lui par exemple, voilà. Donc ça va être plus sur la partie pixel, où en gros ça c'est on représente en fait, on peut représenter le dump directement en pixel en disant, donc là en l'occurrence je suis en RGB normalement. Voilà, donc je suis en RGB, donc en gros, quand je vais prendre 3 octets, je vais pouvoir lui associer une couleur. Donc ça peut paraître un peu bizarre au début comme ça, mais en fait, quand vous travaillez, genre par exemple, sur des FAT, sur des MFT, ou genre de choses qui sont propres à chaque système de fichiers, vous allez pouvoir en fait voir des patterns. Vous voyez aussi l'entropie qui diffère au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez intéressant quand on veut faire de l'analyse, enfin plus de la rétroconception au niveau système de fichiers, format de fichiers en fait. Donc vous avez ça, après vous avez les plages noires, voilà, où là on sait qu'on est totalement, il n'y a aucune donnée intéressante. Donc c'est assez pratique, on va dire c'est plus c'est spécialisé comme type d'utilisation, mais ça reste pratique aussi. Quoi. Donc il y avait ça, on avait aussi le principe de par page. Donc ça c'est quand on travaillait en fait sur les puces NAND, sur les NAND, sur les flashs, qui a un système différent de représentation, c'est pas des secteurs directement, c'est... des unités un peu différentes, donc après il y a quand même une interface qui existe pour le système de fichiers qui sont capables de le traiter. Mais voilà, du coup c'est le principe de page, de nombre de pages et de bloc, enfin, et de pages par bloc. Donc ça nous permettait d'aller plus rapidement aussi sur les différentes infos qui nous intéressent. Les fonctionnalités, je pense qu'on a fait le tour, je vais pas tout vous montrer, pour creuser. Alors après la partie plus intéressante, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est peut-être pas très intuitif, ça va encore. Donc c'est qu'après justement on peut directement utiliser la partie scripting. Donc là par exemple je vais récupérer le DFS directement dans tac. Et je vais récupérer par exemple la node route. Tac. Donc, avec les points. Donc après classique sur Python, si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, vous avez les différentes informations. Donc là vous pouvez faire un walk. Vous pouvez récupérer du coup les routes, les nodes, donc b.getNode de slash. Donc là j'ai une node, donc si je fais un type, donc ce que présentait Matt tout à l'heure, voilà. Donc là on voit que j'ai un type node de DFF, API, VFS, etc. Donc là après sur les nodes on a beaucoup plus d'informations. Donc on peut déjà, donc, par exemple tout ce qui est donc, attribut. Hop. Ça c'est la rep, ça c'est dans la partie Python, vous avez pareil des variables qui sont, qui s'appellent des méthodes underscore, underscore, rep, underscore, underscore. Donc en gros, qui présentent une représentation de l'objet en question. Donc là, on voit par exemple, c'est le proxy swig en fait qui nous est présenté. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Mais après, nous, sur les attributs, on a la partie underscore, 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 str, underscore, underscore. Donc si on fait un print, on va avoir toutes les informations derrière. Donc on peut faire ça, on peut avoir après tous les fils, récupérer les différents nodes, donc node.children. Donc c'est vraiment sur la partie scripting. Il y
Et si vous y tirez dessus, voilà, et là on retrouve l'arborescence du coup qu'on avait ici sur, sur Logical Device, Files, Module Root ou Quark. Voilà, donc là, en gros, ça utilise derrière dans les vues. Je sais pas où il est passé. Il est là. Voilà, donc là on récupère en gros les différentes informations. Après vous avez pareil les filtres. Je sais pas si pareil, moi je crois que DFL, pour API, donc si vous voulez faire après votre propre moteur, vous pouvez, enfin pareil, si vous voulez faire des scripts pour récupérer les informations qui vous intéressent, vous pouvez taper test en tuto. Faites votre query, par exemple étoile. Donc, qu'est-ce qu'on avait ? Extension égale égale. Donc f.compile. Extension égale égale. Ensuite, on lui donne en gros la node à partir de laquelle on veut commencer à travailler. Donc là, j'ai pris slash volontairement. Donc là, je fais f.process de ma node root. Donc là, il mine. Donc là, ça y est, il a tout récupéré. Et après, pour récupérer les différentes infos, slash node. Normalement, si tout va bien, déjà, donc on récupère une liste. Donc on en a 14, quand on itère dessus, 1, ouais, après on peut les taguer, on peut rajouter des tags au fur et à mesure, et voilà, et là j'ai bien récupéré tous mes points d'oc. Donc après vous pouvez scripter, faire vos petits modules à côté en plus, pour récupérer toutes les informations qui vous intéressent. Donc on a ça, on a la partie, on a la console aussi, plus donc les mêmes fonctionnalités mais en mode shell. Donc voilà, si vous faites la tabulation, vous avez le même principe que ça, avec les catégories, mais là, sauf que là on est directement en mode console, donc on peut faire un simple ls, donc avec la complétion à chaque fois. Voilà, vous avez l'intégralité. Vous avez le système d'attributs aussi, même principe, sur ce qu'on a, ce qu'on récupère en fait ici sur la droite. Vous pouvez l'avoir directement pareil à ce niveau-là. Genre logical files, c'est Fred. Voilà, vous récupérez toutes les informations au même principe. Donc après, ça c'est plus si vous voulez partir en mode console shell sans lancer aussi le GUI, vous pouvez directement en mode. Voilà, là vous l'avez directement, vous pouvez le lancer directement en mode console et après faire je sais pas, slash voilà, là j'ai rajouté mon Albert Meyer. Enfin voilà, vous pouvez après travailler direct sur la console si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc on a ça, on a les batchs aussi, en gros qui est l'équivalent de toutes les commandes que vous avez là. Donc en gros le format il est tout bête, c'est vous faites un fichier, vous tapez en gros avec un point d'exclamation, c'est pour votre commande en question. Donc là si je veux loader tout mon home, mon desktop par exemple. Ensuite vous pouvez faire du Python, genre V égale VFS, etc. Et vous pouvez intervertir comme ça à la fois le lancement de module, ensuite travailler sur du Python et lancer ça directement depuis, la ligne de commande. L'IDE, ouais, j'avais un exemple de module. Vite fait, développer mon propre.
En fait, il faut qu'on l'améliore. Il n'a pas non plus suivi toutes les évolutions, mais en gros, vous pouvez, ça va vous générer directement un squelette de module. Vous mettez un nom, le type de catégorie, donc, qui va correspondre en gros à ce que vous retrouvez dans les modules. Vous mettez Toto, voilà. Où est-ce que vous voulez que ce soit chargé? Je vais le laisser là. Après, si vous faites un type de script, si vous voulez faire un module graphique, si vous voulez faire un module de reconstruction qui va créer des nœuds dans le VLS, on va en faire un petit de description, votre nom, tac, et voilà. Là, automatiquement, vous avez du coup votre squelette qui est généré, donc avec tous les imports par défaut. Mais comme je vous disais, là, il manque 2-3 parties, il n'est pas à jour. Pour la release, ce sera fait. Et voilà, vous avez le squelette en gros avec tout en bas la partie qui va être utilisée par notre loader derrière. Donc avec le système de config et d'arguments, vous avez votre conf directement, save.conf. J'ajoute mon argument. Donc là en entrée, vous dites en gros c'est un argument obligatoire qui est seul. Donc on peut aussi passer une liste d'arguments si on veut. De quel type c'est. Donc là en l'occurrence ça va être un nœud donc qui correspond à un fichier en entrée. Après vous pouvez prendre une chaîne de caractères, un entier ou ce genre de choses. Le name en question, enfin le nom de l'argument, c'est qu'il sera utilisé en console pour la complétion de manière automatique ou pour la partie graphique le nom de l'argument et une description, etc. Donc vous pouvez en ajouter au fur et à mesure. Et après, donc là, non ça n'a pas passé du coup vu qu'il n'est pas à jour. Mais du coup, vous le chargez directement dynamiquement, il va se retrouver ici dans votre liste, vous allez pouvoir travailler comme ça. Voilà, je pense que c'est tout. Il y a plein d'autres choses, quoi, mais on va pas s'éterniser. Il y a la partie volatility aussi, vous pouvez donner un dump de RAM, il va extraire ses informations. Enfin, voilà. Je pense si vous avez des questions. Oui, longtemps. Ouais. C'est quand même, ça représente quand même une quantité d'informations exceptionnelles, de tout ce qu'il faut savoir pour analyser Alice. Ça a été obtenu comment? Les docs de Microsoft, par exemple, sont suffisantes ou il a fallu faire du reverse engineering sur le système de fichiers ou... Un peu, enfin, pour FAT, on peut les trouver. Microsoft les a gracieusement donnés. Donc vous tapez FATGEN. File type 2.doc dans Google et vous tombez directement. C'est Microsoft qui le met à disposition dans son principe d'ouverture. Et ça correspond à la réalité parce qu'il y a des fois des docs Microsoft qui donnent une partie de la réalité. Le pire, c'est tout ce qui est format Word, PPT, etc. Là, c'est l'horreur. Il y a par format, il doit avoir une doc de 600 ou 900 pages par format. Et il manque plein de trucs en fait. Et même dans leur doc, il y a des versions de docs qui sont différentes. Et souvent ils mettent, là c'est de la data, ok ça te plaît. Et ils expliquent pas du tout la logique en fait, il n'y a qu'une structure, il n'y a aucune logique, alors pour le faire, il faut tourner un peu la tête. Hein. Et justement, comment vous vous êtes pris la tête? Vous avez regardé d'autres logiciels qui faisaient ça? Pour le format Word, donc j'avais fait, il n'y avait pas grand chose à part OpenOffice, mais le code était trop long, c'était pas super pratique, et à ce moment on faisait un peu. Et surtout il y a un tool de Microsoft qui montrait les structures, donc après on va réfléchissant, on y arrive, c'est pas non plus. Là on reste sur des trucs plus basiques, c'était plus compliqué. Sur tout ce qui est analyse de mémoire flash, au début, alors là où il y a zéro doc. Tout proprio, il y a zéro doc, donc là ça fait un peu plus de reverse. Alors là, vu que c'était des structures de données, on n'a pas fait de reverse en fait de désassemblage. On a utilisé justement la technique avec l'éditeur hexadécimal qu'on a montré pour essayer de repérer des patterns de structure, essayer de les relier et faire des modules qui remappaient les blocs. Et petit à petit, on m'a dit, faites pas qu'on mettait une JPEG sur un téléphone qui a été explosé par le système de fichiers un peu partout, vu que c'est fragmenté. On essaie de la retrouver en prenant les patterns, en faisant un hash, prendre deux blocs, essayer de retrouver les blocs. Après, c'est de voir les parties qui appartenaient au système de fichiers, retrouver des structures et voir que vraiment ça pouvait être une liste. Parce que on voyait qu'il y avait une partie du fichier qui était à tel bloc, une partie à tel bloc. Donc on va dire, ça peut donner ça ou ça comme offset. On va rechercher. On va retrouver que ça suit dans une liste. Donc c'est vraiment une liste qui peut permettre de lister les blocs du système de fichiers, des choses comme ça. Donc ça prend un peu de temps. Donc après, il y a plusieurs techniques. Après, je ne sais pas ce qu'on utilise. C'est des variables. Après, il y a des formats qui sont ouverts.
Après, sur la partie système de fichiers aussi, ouais, on va bah, faire des dumps, enfin créer des tests, genre pour REFS, qui est le nouveau système de fichiers de Windows. Ça va être en gros de se faire une sorte de pseudo, de dire je vais créer un fichier de 4K qui va contenir que des A, et puis après de faire un diff au fur et à mesure en gros qu'on va écrire un fichier. Donc limite le mieux c'est d'utiliser des machines virtuelles et de faire en gros le diff, de voir le diff entre on n'avait rien, le moment où on a rajouté notre fichier. Donc ça va être prendre en compte quand est-ce qu'on a déposé le fichier, donc tout ce qui est information temporelle. Et voilà, et après on peut en déduire au fur et à mesure les structures. Et sinon après l'ultime ça va être du reverse, je sais pas, je vais lancer un WinDBG, directement s'attacher dessus, et puis y aller en mode debugging sur le kernel, machin, pour. C'est vrai que c'est problématique. Enfin, il n'y a pas forcément toutes les docs, ça prend du temps. Donc, ouais. Voilà. Est-ce que ça marche avec des images Qlipo 2 ? Des images Qlipo 2 ? KVM ou des conversions ? Non, pas encore. Ouais. Bah, après, c'est ça, pour ajouter en gros les formats, le support des formats. Là, en gros, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est au moins VDI la prochaine fois, enfin, pour plus tard. C'est pareil, s'il y a un contrib qui veut faire l'utilisation de VDI derrière ou genre de choses. Après, il y en a plein, il y a aussi tout ce qui est volume shadow copy directement, donc le prendre en compte. Il y a la partie BitLocker, il y a la partie. Enfin voilà, il y a plein de. Les idées, on les a plein, on en a plein en fait, mais une journée, c'est 24 heures et voilà, ils nous en prennent 96. D'autres questions ouais. Au niveau du business model, enfin, on est une licence ou Ouais, alors du coup, au niveau modèle économique, comme je disais, c'est pas simple l'open source. Mais ce qui est surtout fonctionnel, qu'on retrouve assez fréquemment, ça va être du service autour en fait, du produit. Donc ça va être en gros, nous ce qu'on fait, c'est de la formation. Donc sur forensics, hein, voilà, système de fichiers en profondeur, tous les artefacts qu'il faut retrouver, ce genre de choses. Du développement spécialisé aussi, des clients qui ont besoin de développement vraiment précis, de fonctionnalités précises. Donc on a ces parties-là. Et après on a aussi une version pro, donc on a du support en fait autour du logiciel avec un temps de réponse sur un bug qui est pris en compte, du packaging aussi qui est plus fréquent. En fait on a le Git, on a notre Git qui est en ligne, vous pouvez récupérer les sources, il n'y a pas de problème. Mais derrière, on ne fournit pas, en gros, pour chaque grosse nouvelle fonctionnalité, on ne fournit pas forcément le point dev, le point exe pour Windows, ce genre de choses, en fait. Mais après, vous pouvez le compiler par vous-même, mais dans la partie pro, en gros, c'est ce qu'on fournit automatiquement. Le client, il ne s'embête pas à lancer son MS Build derrière, ce genre de choses. Donc, grosso modo, c'est ça, le principe. Ouais, Ouais, parce que là en fait ce que je vous ai montré c'est en mode clic, la version vraiment communautaire, et la version pro en fait on a l'utilisation de la partie post-processing en gros qui est automatiquement récupérée. C'est en fait ce qu'on va, on va choisir les modules qu'on va appliquer, le type de documents qu'on veut extraire, et automatiquement en fait tout va être appliqué et il n'y aura plus qu'à rechercher ce qui nous intéresse. Quoi. Est-ce qu'il y a des projets de template d'exécution, par exemple pour les experts judiciaires qui font des tâches récurrentes de prévu Ouais, c'est prévu, mais on l'a pas là pour le moment, c'est pas intégré. On a le moteur d'automatisation à l'air pro, après on a un moteur d'analyse, mais c'est pas, il n'y a pas de script encore dedans. Après, de toute façon, tout ce qui est accessible, c'est accessible par l'API, pour les copiants, on peut respecter, ce sera pas le graphique. Après voilà, c'est le moteur, analyser, puis utiliser tag sur une note pour la taguer, puis après tu fais des tractions si tu veux. Non mais ça a l'air vachement bien, je suis en effet au doc. Il y a un gros problème de doc. C'est quoi ça, faire de la doc? Parce que s'il y a des gens qui veulent faire de la doc.
pouvez aller sur l'Wikis, hein, bienvenue. Sinon, là, tu vas regarder sur. Sur l'utilisation, si on a des. Basiques, hein, ouais, là, des commandes que tu as tapées pour les. Ouais, 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 si, la partie basique, c'est, on l'a sur Wiki. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, on rajoute un dump. Tu ne pas forcément suivre la réseau. Après, sur l'API, ça date vraiment pas. Après, ça n'a pas mal changé. Bon, là, on va se mettre vraiment sur la doc. Ouais, c'est ce qu'on dit tout le temps. Non, mais si, là, on attendait. Ouais. Ouais, du coup, on fait une release la semaine prochaine. Comment? Ouais, j'ai pas mis, je suis en PDF. Ouais, si vous avez des questions, vous pouvez venir sur. On est sur Freenode, sur tsdigital-forensic. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, merci beaucoup. La prochaine fois.